Bonjour à tous. Je suis Bonjour. très très heureux de rencontrer Stan Mayo, vraiment, qui est un des leaders, un des premiers combattants de la pédophilie et du sacrifice rituel et de toute cette folie moderne, qui n'est pas tant moderne, si moderne que ça, puisque ça existe depuis très longtemps. Alors, il n'est pas question ici, il faut que ça soit clair, de discuter de la véracité de ces informations. Ces informations sont réelles, sont concrètes. Les DVD existent. Les photos, les enfants, de viols de bébés de 3 mois existent par centaines de milliers. Les vidéos par centaines de milliers. Il y a des centres informatiques qui ont été d'ailleurs dernièrement aux États-Unis. Il y a un gros réseau de pédophilie qui est tombé. Donc c'est des tours de serveurs avec des centaines de milliers de photos et de vidéos, avec des enfants violés. Je crois que donc on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour parler d'autre chose, pour faire le constat. Donc si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle, le courage humain, de rencontrer, de faire face à ces informations, je vous invite à aller zapper sur TF1, vous pourrir l'esprit, vous salir l'âme et perdre votre temps misérable et laisser les gens travailler dans ce domaine-là, ça serait préférable pour tous. Par contre, je voulais faire rapidement, Stan, si tu permets, un petit truc très rapide hein, sur les, on va dire, une vingtaine de grosses affaires, très très grosses affaires, que tout le monde connaît, que tout le monde peut accéder sur Internet, donc acheter des livres, enfin c'est très très simple à faire. Alors donc, je ne pouvais pas ne pas parler de Jacques Duguay, célèbre pédophile, déjà depuis très longtemps condamné, enfin dénoncé par Serge de Bekech, feu Serge de Bekech. Jacques Duguay qui avait eu à un moment donné en Libération, hein, le journal du libertaire Serge Julie, 30 ans à la tête, 33 ans je crois à la tête de ce torchon. Donc Jacques Duguay qui nous expliquait, écoute bien, hein, il lui a mis deux pages pour un pédophile. Je cite, que le gamin demandait de lui-même la sodomisation et y prenait un réel plaisir qui était physique mais aussi affectif. Un enfant qui aime un adulte sait très bien qu'il ne peut pas encore donner aussi. Il comprend et il accepte très bien de recevoir. C'est un acte d'amour. C'est une de ses façons d'aimer et de le prouver. Ce fut le comportement avec moi de quelques garçons que j'ai sodomisés. Et puis, disant les choses comme elles passent, il aime ressentir dans son corps le membre viril de celui qu'il aime. D'être uni à lui par la chair, cela donne de grandes satisfactions. Donc, comme je vous le disais, si vous n'avez pas le courage, zappez. Ça donne envie de vomir. Je ne peux pas finir par décence la lecture de ce torchon. Tapez Jacques Duguay sur Internet, ces images, ces facsimilés de Libération sortent tout seuls. Nous avons Monsieur Jean-Pierre Mocky qui a tourné un film, Les Balais Écarlates. Donc, blackout total des médias, hein, blackout total des médias, dans lequel il dit, le plus simplement du monde, que des politiques, des flics, etc., faisaient des partouzes avec des enfants. Notamment, il y avait un gardien, ou je sais plus, de Gaulle à l'époque. C'est tout le temps étouffé, c'est tout le temps. Enfin, ça finit toujours comme ça. Donc nous avons aussi le fameux documentaire d'Élise Lucet qui est passé le 27 mars 1999 sur France 3, hein, enfant de charnier d'enfants disparus, avec des c'est un documentaire vraiment, vraiment qui fout la trousse, qui fait très très peur, c'est impressionnant, avec des enfants qui dessinent des mages, avec des pyramides sur le torse, avec des têtes d'enfants coupées, etc. Ce documentaire a disparu des archives de France 3 et Élise Lucet ne veut plus jamais en parler. Dans ce documentaire, on rencontre à la fin dans le débat un type qui parle de l'existence des fameux snuff movies, donc les films où on assassine les gens et qu'on vend très très cher sous le manteau. Le fichier de la honte de Carl Zéro, très très impressionnant. Le fichier de la honte, je vous invite à le voir. C'est un documentaire qui est passé dans la chaîne La 13e rue. Tout ça, vous le trouvez sur Internet très facilement. Hein. Vous avez dans cette affaire
un certain, donc c'est une interview de Carl Zero et de Serge Garde sur BFM, je crois, donc dans laquelle Serge Garde nous explique l'affaire du fichier Zandvoort, donc un fichier de pédocriminalité, le CD-ROM Ulrich, dans lequel il y avait 172 visages différenciés, etc., de bébés violés, dont 42 ont été identifiés par des Français, des parents. En fait, les chiffres que lui avance ne sont pas très clairs, et Marcel Verhoeven n'est pas du tout content du travail que Serge Garde a fait. D'accord. Il a eu tendance à couvrir plutôt le fin fond de ce qui était problématique pour la juridiction française. Hein. Très intéressant. Pour information, moi, tu sais que j'ai interviewé Marcel Verhoeven plusieurs jours, oui. Et ce qu'il m'a dit de Serge Garde, ce qui apparaît sur notre reportage, n'est pas très reluisant pour lui. À mon niveau, autant de ne pas lui faire de la publicité. D'accord. Le travail qu'il a fait qui permet de faire savoir que la problématique existe est intéressant. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie pour autant de dire c'est bien d'en avoir dit un peu, ça fait déjà avancer les choses, pour ne pas aller frapper là où ça fait mal et là où c'est dangereux de frapper pour celui qui dénonce. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Voilà, je ferme la parenthèse. Toujours pareil. Donc, on parle de. Donc, par exemple, Marcel Verhoeven a été condamné d'une façon inique et injuste, et le type qui a fait le témoignage a avoué qu'il avait reçu plus de 25 000 francs belges pour écrire ce faux témoignage. Mais c'est complètement délirant. Et bien sûr, la justice a statué que les enfants reconnus et identifiés n'étaient que des sosies. Enfin, c'est complètement délirant. C'est imaginer que la justice utilise cette technique dans notre quotidien. C'est-à-dire que vous reconnaissez quelqu'un, c'est celui qui vous a volé, cambriolé, égorgé votre femme. Vous le reconnaissez et le flic à la fin dit non, c'est un sosie. Et sans rien d'autre. Sans autre explication. Non, c'est des sosies. Ok, bon, pardon. Excusez-moi, il n'y a plus des sosies, il n'y a plus que des sosies, il n'y a plus de justice. Et dans ce cadre-là, les analyses biométriques qui peuvent être faites, elles sont mises de côté. Il y a des techniques, des analyses biométriques, comparatives, on compare deux, on a une source d'origine et puis le visage qui nous intéresse, on fait une comparaison, et c'est utilisé contre le terrorisme. Oui. Mais là, comme par hasard, c'est plus bon. Hein. Là, ça va être des psychiatres ou des médecins qui ne sont pas qualifiés qui vont prendre le relais pour lui dire non, ça ne correspond pas à la pièce suivante. C'est génial, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, hommage à M. Marcel Verhoeven pour son courage. Vraiment quelqu'un d'extraordinairement courageux, dont on a essayé ils ont essayé de l'assassiner en prison, très très malade, en lui interdisant les soins, et qui a même demandé de mourir. Il a demandé à un certain moment à être euthanasié, ça lui a été refusé. Il a manifestement énormément dégusté en prison, on ne sait pas dans quel état il en est sorti. Il est sorti quelques semaines après que nous ayons mis sur Internet le témoignage, le reportage qu'on a fait sur lui. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Mais par contre, ce que je voulais dire au sujet de notre ami Marcel Verhoeven, c'est qu'il a été mis au secret à sa sortie de prison, à Turnhout, et interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit, et encore moins des journalistes. Or, il y a en ce moment des interventions qui semblent venir de lui sur Internet et sur Facebook, suis mon regard, sur Facebook, où il dit qu'il est en train d'écrire un livre avec les photos de famille qui le concernent, etc. Et il parle, il communique lui-même. Alors il faut savoir que Marcel Verhoeven est totalement anti-Internet informatique, il n'y connaît rien, ça n'intéresse pas, et c'est quelqu'un d'extrêmement humble. Il est très 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 dur de lui faire tirer le moindre mot, la moindre phrase sur lui. Ça n'est pas le genre de personne qui va écrire un livre en parlant de lui, en mettant ses photos de famille, c'est une manipulation. Il y aura certainement dans son livre, qui ne vient pas de lui, puisqu'il est soumis au secret et au terrorisme d'État, quelques intox majeurs. Ça, c'est juste pour nous alerter. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on en parlera tout à l'heure sur la Libye. Les intox, je crois que c'est le fort des gouvernements actuels. Dans tous les cas, la mise sous silence au secret de Verhoeven est une preuve factuelle, définitive, de la véracité de ce qu'il dit. Parce qu'autrement, en quoi ça dérangerait qu'un fou dise des bêtises?
Il y en a tellement sur TF1. Et ça rime avec la couverture de tous les gouvernants des pays d'Europe concernés. C'est quand même énorme. Énorme, c'est aussi c'est une énorme, complicité c'est énorme. Massive et, c'est énorme. Et formelle. Ah, je sais, c'est énorme, énorme. Nous avons l'affaire des enfants Roche, du juge Roche, qui a été assassiné, brûlé, dans des conditions extrêmement troubles. Mais en fin de compte, j'ai une règle de raisonnement et de réflexion simple. À partir du moment où c'est trouble, c'est que c'est très clair. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Donc, reste à savoir c'est quoi cette chose. Voilà, alors on ne parle pas de dysfonctionnement, qu'on ne prenne pas c'est pas compte. Non. Voilà. Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Pourquoi il n'y a pas de dysfonctionnement? Parce que quand il s'agit de te verbaliser pour un excès de vitesse de 2 km/h, sur l'autoroute, à 4h du mat, il fait nuit, ils arrivent à prendre ta photo. Et ils la balancent dans un système judiciaire et répressif, policier, extrêmement... Ils sont, à in fine, si tu ne veux pas payer, l'huissier va récupérer les sous de ton compte. Tu es jugé au tribunal de police. Enfin, ça marche très bien, le système. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure pour les terrorismes. Il marche super bien, le système. D'ailleurs, il marche tellement bien qu'on ne peut que citer des histoires de manipulation, là aussi, des services secrets, qui ont mis des faux dossiers, par exemple, le fameux manuel de terrorisme d'Al-Qaïda. Donc, il suffit de mettre dans un ordinateur, et après, venir faire une perquisition. Et ouais. Dire, oh là là, c'est complètement délirant, ça n'a aucun sens, tout ça. Donc, les enfants Roche nous expliquent ce qui leur est arrivé. Je vous invite à aller voir leurs interviews, elles sont exceptionnelles. C'est l'affaire de Toulouse, Baudis, Allègre, cellule 31, des suicides avec 2 balles dans le crâne. Ça. Des suicides épouvantables de jeunes femmes ou ex-prostituées ou témoins. Comme j'ai oui. Pris en tête, oui. Un couteau en travers de la gorge, oui, une couche culotte enfoncée en travers de la gorge, c'est classique, je crois qu'il y avait aussi une pendaison. Et on avait toujours les mêmes experts médecins-légistes, bras et à l'engrin, si ma souvenir est mon souvenir. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes experts, toujours les mêmes légistes qui concluent les frères, au suicide. Donc ça, c'est certainement des frères, nos frères Latruelle, oui. qui sont reliés avec des réseaux que l'on connaît, oui. Et qui sont bien sûr reliés avec, qui sont frères avec le procureur, le juge, l'expert, enfin, toute une série, une fratrie dégénérée, oui. qui dans la dangerosité ne fait que se confirmer. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette affaire, de meurtres et de crimes, de suicides de gendarmes avec 2 balles dans le crâne, on les rencontre très souvent dans les affaires de fric, notamment par exemple l'affaire Elf, où il y a un type qui tombe du 4e étage parce qu'il changeait ses rideaux, l'autre qui a glissé dans les escaliers qui est mort, très très souvent quand il s'agit de plusieurs milliards, l'affaire des frégates, etc. Oui. Et cette affaire est extrêmement sérieuse, puisqu'elle implique un certain Marc Bourraguet, qui passait ses soirées avec Allègre, et un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était un très gros poisson de la cocaïne toulousaine, et qui passaient leur soirée ensemble. Et vous savez quelle a été la résultante de cette affaire? Ben, il a eu une promotion, Bourraguet. Alors avant Marc Bourraguet, il faut savoir qu'il a été mis hors de cause par ses confrères, frères et confrères, simplement parce que les preuves qui étaient déposées contre lui au tribunal par le procureur Bréard via le gendarme Roussel, si ma mémoire est bonne, n'était pas recevable du fait qu'elle concernait un magistrat. Elle est bien bonne, la blague. Alors, cette ordure notoire de Marc Bourraguet, en ce moment, un poste à Paris énorme, je compte sur moi, c'est une diffamation, insulte, on peut m'en mettre quelque chose, j'aime bien ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup pour Charles Roche et sa sœur, c'est qu'on n'a plus de nouvelles du tout d'eux. Ils ont fait une petite campagne dans la précipitation pour faire retirer leur témoignage et tout le travail qu'ils avaient fait sur le sujet, pour qu'il n'y ait plus vraiment de son et d'image provenant d'eux sur l'affaire. Alors, sont-ils terrorisés? Très certainement, menacés. Est-ce qu'ils sont allés plus loin avec eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est quand même un certain nombre à vouloir avoir des nouvelles d'eux. Exactement. Ce sont quand même des magistrats. Hein. Charles et Diane Roche sont des magistrats, sont des gens très instruits, des juristes, oui. Ils ont une formation poussée.
Et je vous invite à aller voir les témoignages parce qu'ils sont carrés, hein. Il n'y a absolument rien à redire, à refaire. Maintenant, je voulais, rapidement, shérif de Lé, hein, je suis debout. Donc, c'est l'affaire Outreau qui a essayé, été, dont on a essayé de camoufler la gravité en faisant croire que c'était un scandale judiciaire. Pas du tout. Je crois que tout le monde se rappelle de cette affaire-là. Hein, pas du tout. Qui sert d'alibi d'ailleurs à l'imposture politico-judiciaire pour dire qu'il ne faut plus écouter la parole des enfants. Exactement. Et ça a été fabriqué de toutes pièces que pour ça. Oui, absolument. Sauf que, y a eu affaire de pédophilie, de vente d'enfants par ses propres parents. C'est le cas de Shérif Delé, dont on a détruit totalement la vie, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui fait vraiment, 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 vraiment beaucoup de peine, à qui on espère un rétablissement, je ne sais pas comment, vu la gravité de ces agressions sexuelles, de la violence physique, etc. Mais on le lui souhaite vraiment de tout cœur. Et cette affaire, là aussi, elle est factuelle. Il est passé dernièrement, il y a 2-3 mois, sur toutes les chaînes, plateau télé, il a présenté son bouquin. Ouais. Son bouquin est là, dans lequel il nous explique qu'il s'est fait violer par son beau-père, par sa mère, et qu'il se faisait vendre à des étrangers, le plus simplement du monde, vraiment d'une façon répétitive, ça a duré des années. Donc, maintenant, en fin de compte, on ne vous demande pas de on va pas, je le répète, on vous dit pas si est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. L'être humain est capable du pire et du meilleur, mais du pire. Mais un être, nous qui sommes des êtres de raison, on se doit d'accepter ces deux facettes. On peut pas accepter que Bambi, l'être humain qui est le bénévole, qui va se donner pour les autres, l'altruisme, la bonté, la générosité. C'est vrai que ça existe, hein. Une mère est capable de mourir pour son enfant vivre, c'est vrai que ça existe. Mais il y a aussi une autre partie de l'humanité qui délire complètement, ça existe depuis toujours. Il y a des preuves, il y a des procès qui ont été réalisés sans aucune torture, hein, puisque certains nous disent que par exemple, des aveux ont été soutirés avec la torture. Non. Des procès avec des preuves factuelles, claires. Donc on n'est pas là pour remettre en question ça, hein, que ça soit clair. Si je peux me permettre, ce qui est très intéressant sur ce que tu dis, c'est que l'humanité, on est capable d'en tirer le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on en voit que le pire, mais sans doute, on voit bien l'état de la planète qui reflète ce qu'on peut tirer de l'humanité, ce qu'on en tire aujourd'hui. Je crois que l'humanité est depuis la nuit des temps sous contrôle d'une entité qui met tout en œuvre pour vraiment en tirer le pire et dégénérer cette espèce au maximum pour en faire un grand bétail très facile à manipuler. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la vision que j'ai moi de l'humanité. C'est rigolo parce que j'ai ramené un bouquin qui s'appelle « La danse du diable » de Gunther Schwab, « La danse avec le diable » plus exactement, exceptionnel, qui confirme absolument tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas lu, j'aimerais bien lire. Eh bien, ça ne saurait tarder. Celui-là, il est raturé de partout, mais on va se débrouiller. Donc, Danse avec le diable explique exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une... Alors, là aussi, j'aime bien faire, tu sais, comme on met un petit avertissement avant une vidéo. Il n'est pas question de savoir ici maintenant si le diable existe ou pas. On va pas faire du catéchisme, on va pas faire on n'est pas des prédicateurs. Primo, personnellement, je vous le dis clairement, le diable existe, que vous le vouliez ou non. Hein? Et son existence ne dépend pas de votre croyance en lui. C'est clair. Maintenant, je vais vous dire simplement, de faire un effort intellectuel très simple. Imaginez qu'il y a des gens, sur Terre, Stanley Kubrick l'a très bien expliqué dans Eyes Wide Shut, qui pratiquent des cultes sataniques et des offrandes sacrificielles au diable, au démon. Que vous le vouliez ou non, ça existe. Là encore, ça a été prouvé. Beaucoup de jeunes écervelés, beaucoup des gens de l'élite ont été retrouvés en train de déterrer des gens dans les cimetières. Il y a un petit fou furieux qui a donné 666 coups de couteau à un prêtre
à Toulon, c'était enfin, c'est des affaires de satanisme très connues en France. Enfin, tout ceci existe. Le culte du démon existe depuis toujours. Ce que fait le Bohemian Club dans la forêt de Sequoia en Californie n'est rien d'autre qu'un culte à Moloch. C'est un culte du démon. Et qu'est-ce qu'il demande Moloch? Comme par hasard, un sacrifice d'enfant. Oui, du sang d'enfant. Moloch, qu'on retrouve assez souvent en France ou des films. Je me suis demandé, tiens, s'il n'y avait pas un lien entre Moloch et la chaîne de restaurants Buffalo Grill. Pourquoi pas? Dans quel sens? Enfin, je ne sais pas, cette chaîne avait été impliquée dans des scandales. C'est vrai. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fermé. Ouais, de criminels pédophiles qui mangeaient dans cette chaîne. Et tu sais qu'il y a une stratégie générale qu'on est en train de découvrir en ce moment, qui consiste à nous faire manger de la viande et du sang humain. Manger de la viande humaine, de la chair humaine et du sang. Il peut y avoir une corrélation. Le meilleur moyen de nous faire manger de la viande humaine, c'est encore dans des restaurants qui servent de la viande, soi-disant de bœuf, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin, ça je l'ai découvert dans mes travaux. Je signale que là encore, vous, pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, qui ne nous connaissent pas, que l'on travaille, moi personnellement je travaille sur ces sujets depuis plus de 5 ans, et y a tout un travail extraordinairement important, poussé, et éreintant avant d'arriver à ces conclusions. Oui. Hein, ne croyez pas que ça tombe du ciel, c'est des centaines et des centaines d'heures de lecture, de visualisation, de fréquentation, d'observation. J'ai vu des enfants de pédophiles, il y a tout un travail, hein. Ça tombe vraiment, vraiment pas du ciel, vous ne pouvez pas comprendre ça d'un coup, c'est pas possible. Il faut faire un effort intellectuel, il faut faire les lectures, etc. Il faut surtout accepter de remettre en question ces préjugés, ces idées reçues qui viennent du formatage de la culture sociétale. Exactement. Et pour revenir au cannibalisme qui est un acte extrêmement grave, c'est un blasphème, puisque le corps de l'homme est sacré, hein, on n'est pas du bétail, c'est très simple. Le monde en parlait déjà, puisqu'on donnait à bouffer au bétail, en Suisse, des placentas humains. Ils lyophilisaient tout ça, ils récupéraient des placentas humains. Donc le chocolat suisse contient de la protéine humaine. C'est quand même très inquiétant. Oui. En Chine actuellement, ils ont créé des pilules miracles avec des fœtus. On parle aujourd'hui, c'est vendu très cher, de crème de beauté avec des cellules de fœtales. Humain, précisons-le toujours. Humaine, bien sûr, c'est pas des. C'est pas du poulet, hein. C'est l'horreur absolue. Hein. L'horreur absolue totale. C'est délirant. On est en train de se servir du corps humain comme. Alors on a commencé psychologiquement à attaquer l'être humain avec le terme ressources humaines, hein, DRH, direction de ressources humaines. On est devenu une ressource, une matière naturelle. Mmh. Et maintenant, on va la consommer carrément. Tu sais que ça me fait penser, je ne suis pas tellement cinéphile et je me méfie énormément parce qu'on sait que toutes les industries cinématographiques appartiennent aux banquiers privés. Mais au premier volet du film Matrix, où on voit le personnage principal dans une bulle, avec des tuyaux partout, qui est alimenté par la purée de cadavres recyclés. Hein, on n'est pas loin parce qu'on est effectivement dans une matrice qui nous aboutit totalement entre virtuel et réalité. Et petit à petit, on est amené à consommer de l'humain. Exactement. Et vous allez voir, il y en aura de plus en plus. Hein. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais qu'est-ce que ces deux fous? Qu'est-ce qu'ils délirent? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais bon, surtout, en plus, on vit dans une société démocratique qui permet à tout un chacun de donner son avis, même s'il est complètement ignorant de tout. C'est-à-dire, c'est comme ça, il a le droit. C'est-à-dire que la société démocratique donne le droit de vote aux plus stupides d'entre nous comme aux plus intelligents, et ils ont la même parole, ce qui est quand même quelque chose qui me dérange profondément. La démocratie est l'arme absolue de l'imposture politique et de l'imposture générale, puisque les banquiers privés ont tout fait, comme je disais tout à l'heure, pour faire de nous un grand bétail totalement ignorant de tout, stupide, dégénéré, etc. De quelle démocratie parlons-nous? De ces gens qui vont bouffer au McDonald's, qui passent 5 heures par jour devant la télévision et qui ne pensent qu'à partouser, qu'à bouffer bien gras et j'en passe des meilleurs. C'est ça la démocratie? C'est de là que nous allons tirer un espoir pour notre humanité, pour la planète?
Ah, de toute façon, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais c'est surtout l'aspect, enfin, les gens se disent, ils ont tous ils se donnent ce droit de critiquer le travail, notre travail, en se disant oui, mais il délire, ou il abuse, ou il en fait trop. Enfin, il y en a plein, il y a plein. Tu les vois, ces petits messages sur Internet. Moi, ça me fait doucement marrer parce que ceux qui disent ça, hormis les appareils de propagande style Consiléo, qui sont des boîtes privées qui manipulent les forums. Les forums, et carrément, hein, ils font des faux messages, ils décrédibilisent certains, etc. Mais il y a des gens, je connais des gens, qui se permettent de critiquer, se dire non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais pas de souci, on va encore amener d'autres preuves. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui critiquent, enfin, je sais pas, mais toi et moi, on a le courage de parler à visage découvert, on est Bah sous oui. fourri, mais ceux qui nous critiquent, on les voit pas, Ah, le hein? clavier. C'est quand même. L'écran. Ouais. Ah oui, c'est génial. C'est génial, C'est hein? génial. Non, non, c'est. Il y a une fois un type, il m'a insulté. Franchement, c'est très rare, très très rare. J'ai dû recevoir dans toute ma vie de dissidence et de recherche de vérité, des milliers de mails. J'ai dû recevoir 5 mails insultants. Il y en a un, il m'a insulté, mais grave. Il m'a insulté. Il m'a pas insulté, il m'a insulté ma famille. Je te laisse imaginer. Je lui dis, où tu veux, quand tu veux, maintenant, tout de suite, dis-moi, tiens, j'arrive. Plus jamais aucune réponse. Ça m'est arrivé aussi. Plus jamais aucune réponse. Enfin, ces gens, bon, sont dégénérés. Et ils sont dégénérés. Pourquoi? Parce que vous dites, vous, pourquoi tout ceci? Bon, vous avez peut-être raison, mais c'est pas possible. Les médias, ils en parleraient. Les politiques nous protégeraient. Mais ça serait. Ça serait. Sauf que les médias, j'ai oublié de le mettre là, mais il faut savoir. Council on Foreign Relations. CFR, les médias, regroupés, Exactement, contrôlés par le Council exactement. on Foreign Relations. Ah ouais, complètement. Ils sont complètement contrôlés par les banksters, c'est évident. Mais on va aller plus loin. Les dirigeants des médias sont totalement dégénérés. Berlusconi, l'affaire Ruby, c'est quand même très grave. C'est des mineurs, c'est des partouzes, avec Kadhafi, qui fait partie de la loge P2 d'ailleurs, propagande adouée italienne. Excuse-moi, comment ça c'est grave les partouzes avec des enfants? Ah, C'est énorme, il faut vivre avec son temps, mon ami. Ouais, mais c'est. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Berlusconi est un patron de médias avant toute chose. Le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, il a été condamné dans une affaire pareille de mineurs, de corruption de mineurs, avec inceste et des colorations satanicos sectaires extrêmement troublantes. Cette affaire, j'en reparlerai en septembre, puisque, bon, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Patrick Binet, le patron de TF International, il s'est pas retrouvé dans une partouze où il y a eu un mort, une partouze homosexuelle avec un mort. Ah oui, c'est de la folie. Je vous rappelle quand même l'affaire DSK, dont on sait aujourd'hui que c'est un grand consommateur de prostituées, grand consommateur de partouze, grand violeur, puisqu'il a fait des tentatives de viol innombrables, et on appelle ça un séducteur, hein, bien sûr. Je vous rappelle Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky, à vomir, l'affaire George Tron, que tout le monde a déjà oublié, qui partouze à la mairie, dans les locaux de la mairie, avec sa conseillère à la culture. Toi au travail, on va parler de législation du travail. Si tu réponds au téléphone à ton boulot pendant que tu bosses, c'est une faute grave. D'accord? Tu reçois un avertissement. Au bout du troisième avertissement, tu peux dégager. Il te vire. Lui, il partouze à la mairie. Et il est toujours maire de Draveil. Bon, c'est très logique tout ça. Alors encore, on a de la chance parce que c'est de la partout, c'est gentil. C'est pas comme ces braves magistrats de l'affaire Allègre qui organisent des viols collectifs de Ah, prostituées clandestines c'est clair, dans les bureaux des tribunaux. c'est Et moi, clair, j'ai j'en ai vu des l'avoir, dossiers c'est sous la clair. main où des magistrats, des femmes magistrats, violent dans leur bureau des enfants venus témoigner d'agressions sexuelles qu'ils ont déjà eues de la part de leurs géniteurs, par exemple, ou d'assistants sociaux, etc. Et ça, le grand public ne peut pas s'imaginer que dans les locaux même des tribunaux, il y ait des viols organisés d'enfants témoins qui viennent témoigner. J'ai des dossiers comme ça sous le coude en ce moment. C'est abominable. Moi-même, je n'imaginais pas ça. Ça va jusque-là. Et des femmes, là, je comprends pas, hein. Des femmes qui violent des enfants dans leur bureau. Après, les enfants sont complètement brisés. Ils ne peuvent évidemment pas exprimer ce qui Rien. vient de leur arriver. Rien. Parce que là, bah, oui, mais il est complètement fou, cet enfant.
Hein, pour dire des... Mais c'est pas possible. Les parents attendaient devant, tranquillement, et c'est pas possible. Cet enfant est fou. Donc tout ce qu'il a dit jusqu'avant, ben... C'est fait exprès pour voilà. Totalement le chambouler. Ouais. C'est... Là, ils le détruisent. C'est le but du jeu. C'est définitif. C'est le but du jeu. Excuse-moi, donc je t'ai coupé. Pas du tout. J'ai l'air qu'ils sont pris partout dans leur... Un ex-patron d'Interpol, le sud-africain Jackie Celebi, a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin d'un baron de la drogue. Alors, Interpol, il faut savoir quand même qu'il avait été créé par David Rockefeller et qui était très, très, très largement impliqué pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs, bien sûr. Et jusqu'à la fin des années 70, on avait des cadres d'Interpol, des dirigeants qui étaient nazis, qui étaient ex-nazis. Ça, très peu de monde le sait. Et moi, je connais très bien Interpol parce qu'Interpol est en fin de compte mis en action aujourd'hui, non pas pour rechercher des criminels internationaux, mais pour rechercher des mamans qui s'enfuient à l'étranger avec leurs enfants, qui quittent la France, parce qu'ils m'occupent moi en ce moment, pour échapper au terrorisme d'État. Voilà ce qu'est Interpol en réalité. Merci d'en avoir parlé, ça me permet de... Ah ben, moi, j'étais impressionné par cette information, c'est-à-dire le patron de la police, des polices européennes, qui est censé nous défendre, se faisait payer la soirée qu'il organisait pour sa promotion par ce voyou. Ouais. Il faisait payer les études de ses enfants par ce voyou de baron de la drogue, patron d'Interpol. Et dans cette affaire, il a été relâché avec une caution de 500 euros. Enfin, ils ont le sens de l'humour. Hein. Ah ouais, mais c'est délirant. Ça aussi, vous pouvez vérifier, c'est sorti un peu partout. Dernièrement, on a eu un petit témoignage extrêmement, extrêmement grave de Corey Feldman sur ABC Nightline. Le problème numéro... C'est un petit jeune qui a tourné dans le film des Goonies, des Gremlins, des trucs comme ça, qui est très, très connu, c'est lui. Le problème numéro un, selon lui, je cite, à Hollywood, a été et sera toujours la pédophilie. Personne ne parle de la pédophilie, dit-il, c'est le grand secret. Et il a un pote à lui, qui a tourné avec lui des films, qui s'est suicidé, et qui a dit, il a dit clairement que c'est à cause des viols qu'il a subis qu'il s'est suicidé, et il y a de très grandes pentes, dont il ne peut pas citer les noms, puisque c'était dangereux pour lui, qui participent, donc je vous laisse imaginer les grands réalisateurs, qui ont un pouvoir phénoménal et qui violent des enfants. On connaît Polanski, voilà. Par exemple, Woody Allen. Voilà, Woody Allen. Walt Disney. Oui, tout à fait. Le temps de dessin animé avec des messages subliminaux de pornographie. Ouais. Tout à fait. Hervé Villard, des GG DRMC le 31 décembre 2010, nous explique très calmement, plein de juges politiques sans pédophiles, c'est connu, il y en a plein. Ça a choqué tout le monde, ça a plombé l'ambiance, grave. Il explique qu'il s'est fait lui-même tripatouiller quand il était enfant, et que c'était le grand secret, etc., etc. C'est un homosexuel, Hervé Villard, déclaré, il le dit. Et voilà ces déclarations très courageuses, vraiment impressionnantes, et très, très récentes, hein, ça a 8 mois. Ok. Donc Hervé Villard, donc c'est pas moi Hervé Villard, c'est pas Stan, c'est Hervé Villard. Allez le regarder, allez le voir. Fonteval, vous avez vu Val le gauchiste qui est passé au néoconservatisme en 10 secondes de retournement de veste, comme dirait Jacques Dutronc. Et bien, Val, le grand penseur, le grand intellectuel, n'est qu'un chansonnier en fait. Et il a passé une carrière, je crois, de 20-30 ans avec Patrick Fonte, qui lui a été condamné pour pédophilie. Et il y a une très grosse affaire, à Charlie Hebdo, où le Fred Touron, le caricaturiste, le dessinateur, avait fait un petit dessin pour taper sur Fonte, et sur Patrick Fonte. Et Val, ça lui a pas plu. Il l'a censuré. Du coup, le Fred Touron a quitté Charlie Hebdo pour aller au Canard. Au Canard enchaîné, qui d'ailleurs depuis des années qu'il est au Canard, et qui je préfère les caricatures à tous les participants, bref, du Canard. Tout ça pour dire que Val, le grand gauchiste humaniste, qui du jour au lendemain est passé à l'extrême droite, bon, c'est pas grave, qui nous parle de liberté d'expression concernant les caricatures du prophète Mohamed, etc. Et ben, quand il s'agit de taper sur son copain de chansonnette dégénéré, alors qu'il a été condamné à la pédophilie, et ben là,
il n'y a plus de liberté d'expression, de liberté de parole. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. À quand la guillotine? À quand? Pour continuer, vous avez vu peut-être MTV, les MTV Awards, il y avait les Red Hot Chili Peppers qui ont gagné un award. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un groupe très connu, ouais, de débiles mentaux. D'accord. Je t'invite à voir cette vidéo, tu verras qu'ils miment sur place, devant tout le monde, une fellation, etc. Enfin, c'est vraiment des dégénérés de la pire espèce. Premier remerciement qu'il fait, thank you Satan. Merci Satan. Premier remerciement devant tout le monde. Je vous invite à le vérifier, cette vidéo elle est sur internet. Ed Bradley de 60 Minutes CBS en 2004 interview Bob Dylan. Bob Dylan, très 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 grosse icône du rock et etc. Qui nous explique clairement dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir, qu'il a vendu son âme au diable, au maître de ce monde. Il le dit clairement. J'ai vendu mon âme au maître de ce monde pour réussir dans la musique. Est-ce qu'il n'y avait pas un leader des Beatles aussi qui avait fait cette déclaration? Ah, plus que ça. Les Beatles, c'était là, on rentre dans un domaine, si tu veux, très, très, très grave. Mm-hmm. C'était des grands, des fervents admirateurs d'Aleister Crowley. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les Beatles. De toute façon, surtout le rock. Hein. Surtout le rock, avec Led Zepp aussi. Oui. Led Zepp, Jimmy Page, qui a acheté le manoir d'Aleister Crowley, Aleister Crowley The Beast, la bête, qui a écrit le livre le livre de la loi, et qui a créé l'église de Thélème, etc., fais ce qu'il te plaît. C'est lui qui a pratiquement, c'est un grand démon, hein, c'est lui qui a pratiquement initié tout Churchill, toute la clique anglaise. Il a même rencontré Hitler, enfin, c'est la Golden Dawn, ça part dans tous les sens. Là, il faut vraiment s'intéresser à cette affaire, elle est très 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 au courant. Ouais, elle explique beaucoup de choses sur la manipulation de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tu parlais de Churchill, ça m'a étonné beaucoup de gens, mais Churchill était totalement complice de ce qui se passait à cette époque. Bien sûr, mais complètement. Ça fait un peu de peine pour ceux qui ont eu des grands-parents comme moi résistants, mais qui étaient manipulés, ouais, et à 10 000 années-lumière de savoir ce qui se tramait. Ah oui. Il y en a un qui avait compris, c'était Céline, Louis Ferdinand. Il a perdu une oreille en 14-18, il a compris que c'était du n'importe quoi, qu'il n'y avait aucune raison d'aller dans des charniers pareils. Il a passé sa vie à condamner à écrire sur ça, et il n'a pas été entendu malheureusement. Juste pour finir, concernant l'horreur des médiateux, Chef Mani, le grand railleur de dégénéré, il s'est fait impliquer dans une affaire extrêmement grave, dans laquelle... ça c'est un montage photo qu'on trouve sur internet. Ben, c'est un peu ce qu'il a fait, puisqu'il a couché avec sa photographe d'origine juive. Tu vas nous mettre ça en grand plan, j'espère. Bien sûr. D'origine juive, écoutez juste un peu cette histoire. Hein. Et son manager, Marcel Lévy, aussi d'origine juive. Donc il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Lui étant marié, il ne voulait pas de cette affaire. Sur le dos, a décidé de la faire avorter de force à Alger. Donc il a été condamné, il a passé de la prison, il a même fui la justice française. Hein. Après il est revenu, il vient de sortir et là il organise des tournées. Il a été interdit au Canada justement pour cette affaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont séquestré la femme, ils l'ont torturée avec des aiguilles à tricoter pour essayer de choper le fœtus. Ils l'ont droguée, etc. Et après, quand il s'est fait attraper, il a crié au complot juif. Alors que son manager qui a fait sa fortune est juif, ça ne le dérangeait pas à ce moment. Par contre, maintenant, il crie au complot juif, ce qui n'a aucun sens, mais ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir commis ce crime, condamné dans les tribunaux. Dieu merci, la petite, elle est vivante. Ah bon? Oui, elle est vivante, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc, ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de réussir un avortement, ces imbéciles. J'aimerais faire une petite parenthèse au complot juif. Et je pense que tu me recouperas tout à fait dans cette démarche-là, appeler le peuple juif à condamner ce genre de mise en scène. Parce que ça n'est pas dans le sens de la paix, ce genre de manipulation.
C'est la technique des banquiers privés Rothschild à l'origine, et les sages de Sion pour remonter un peu plus en arrière, de se prétendre juif, encore il y a toute une grosse stratégie. Et les malheureux qui sont manipulés, qui font réellement partie du peuple juif, eux sont amalgamés à ce genre de manipulation et devraient être les premiers à s'insurger et à ne pas être pris en amalgame avec eux. Ah ben ça c'est ça c'est clair, ça c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il faut surtout pas faire l'amalgame entre le judaïsme déjà et le talmudisme, c'est deux choses totalement différentes, et surtout aussi entre les juifs et les ashkénazes sabbataïques et jacobiens, Jacob Frankien, qui est une secte mais complètement timbrée d'accélération de l'arrivée de la fin des temps. Elle existe aussi ailleurs, cette secte, hein, par la dépravation totale, c'est-à-dire on accélère l'arrivée par une dépravation totale, puisque ce sont les Écritures. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais ça n'a strictement rien à voir. On retrouve ça dans la stratégie des sages de Sion, dans les protocoles des sages de Sion, hein, c'est toujours le même discours. Avilir l'humanité par tous les moyens possibles. Tout est écrit. C'est, sauf que, enfin, là aussi, puisque tu le dis, il ne faut pas faire l'amalgame, mais je suis entièrement d'accord, c'est que ce n'est pas le protocole sage de Sion, c'est le protocole de Westroth, des Illuminés de Bavière, déjà, qui était clairement, c'était exactement mot pour mot, les sages de Sion. C'est Weishaupt qui a travaillé avec Rothschild. Tout à fait, financé par Rothschild. Oui, pour remettre à la sauce le protocole des sages de Sion. Et Weishaupt a écrit un peu plus tard, d'ailleurs, un autre document qui est très intéressant, qui est le Nouveau Testament de Satan, dans lequel c'est encore un petit peu plus clair. Je l'ai mis en ligne sur mon site. C'est intéressant. Ouais. Et autre chose, c'est bien sûr ces protocoles des Illuminés, qui là aussi ne sont pas. C'est existé, il suffit d'aller à Tisbonne, il y a des archives. Pour ça, c'est le plan de Lucifer, de Satan. Ce n'est rien d'autre que ce plan. C'est-à-dire que ce plan existe depuis Adam et Ève, pour ceux qui savent comprendre et qui savent lire. Maintenant, je voudrais finir. Ah non, avant dernière chose. La vilaine Lulu d'Yves Saint-Laurent. C'est un dessin d'Yves Saint-Laurent, une bande dessinée d'Yves Saint-Laurent, dans laquelle on va rencontrer le meurtre rituel, la sorcellerie, la pédophilie, le viol d'enfants, la traite des blanches, absolument tout, l'alcoolisme chez les enfants, la drogue, absolument tout, la pédophilie, mais d'abord, il est très laid, les dessins sont excessivement laids, et clairement, ça a été fabriqué par un dégénéré, et quand on connaît la vie d'Yves Saint-Laurent, on sait qu'il a passé trois quarts de sa vie dans des asiles psychiatriques sous de fortes doses de tranquillisants, qu'il en est mort ainsi d'ailleurs, c'était un grand détraqué, qui me fait beaucoup de peine, hein, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, on voit qu'il a souffert, de choses graves, parce qu'in fine, ces violeurs d'enfants étaient abusés eux-mêmes, et quelque part, c'est avant tout des victimes. Oui. Franchement, hein, c'est des victimes. Parce on va revenir dessus, c'est très fondamental. Vas-y. Revenir, je t'en prie, fini. Ça y est, j'ai fini. C'est une pourriture, ce truc, c'est une poubelle. C'est à peine croyable, hein. Franchement, c'est à peine croyable. Ça, c'est destiné aux enfants. Bien sûr, c'est destiné aux enfants. C'est vendu à la FNAC, hein, ça coûte pas très cher. C'est vendu à la FNAC et voilà, c'est le meurtre de masse. Elle a empoisonné plein d'enfants, juste elle les a empoisonnés, elle les a tous tués. Assassinat de masse gratuit, voilà. C'est complètement délirant. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ce truc. On voudrait. Qu'est-ce que ça a de subversif, quel est l'intérêt de cette chose? Je ne comprends pas. Voilà. D'ailleurs, je ne veux pas comprendre des pourritures comme ça, ça jette à la poubelle. D'ailleurs, franchement. On devrait attaquer en justice, porter plainte pour ça. Oui. Mais sérieusement. Clairement. Bon, pourquoi pas. Au moins ça fera peut-être un petit peu de bruit. Et je vous garantis que vous attaquez ça en justice, Yves Saint-Laurent, pas Yves Saint-Laurent, c'est retiré, hein. C'est retiré, parce que c'est quand même choquant ce que c'est. Ça fera peut-être un peu scandale, hein. Même avec l'imposture judiciaire, on peut peut-être quand même faire un petit peu d'animation et mettre le projecteur sur ce genre de... Exactement. Vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que tu as... Oui, tu as relevé quelque chose qui est très très intéressant en parlant des bourreaux qui étaient victimes avant.
Effectivement, ça fait quelques années que moi aussi je travaille sur la pédocriminalité. J'essaye d'aider des mamans, je vois beaucoup de dossiers. Il y a, outre les procédures systémiques de terrorisme d'État qui sont mises en œuvre contre les mamans, parfois c'est contre un père qui essaie de protéger son enfant qui fait des déclarations, mais majoritairement les mamans, eh bien on retrouve un taré, un géniteur, qui, si on fait une petite enquête sur lui, a une emprise totale de ses propres parents et a eu un vécu, une enfance très particulière. Donc moi, j'ai quelques cas très intéressants en ce moment sous le coude encore, où il apparaît très clairement, à peu près comme dans l'affaire Vincent, je pense que le fameux Tanière était un enfant violé avant de violer lui-même son propre enfant. C'est mon intime conviction. Et ça nous fait penser à quelque chose que tu dois certainement très bien connaître parce que j'ai vu la dernière fiche que Ben, tu as c'est une, sortie. C'est le projet voilà. MK Ultra Mind Control. MK Mind Control. Moi, ce que j'en sais, tu pourras me Contrôle des corriger. esprits. Voilà. Non, moi, sincèrement, moi, pour moi, c'est l'œil du cyclone, là. On tape, là, on met le boss, là, sur le mécanisme, sur le système, comment il fonctionne. Là encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas question de savoir si c'est vrai ou pas. MK Ultra existe, c'est dans les archives de la CIA, c'est concret, c'est un système, c'est une science qui a été étudiée en premier, nous dit-on, par Mengele, Joseph Mengele, le psychopathe nazi, qui a été récupéré par l'affaire, l'opération Paperclip aux États-Unis, qui a Exact. travaillé là-bas sous différents noms, dans Schwartz, etc., qui est mort tranquillement dans son lit de vieillesse, et qui n'a jamais été inquiété, hein, quels que soient les grands scandales, les chasseurs de nazis, tout ça c'est du pipeau, ça c'est du pipeau, parce qu'il aurait fallu d'abord ramener Mengele. Bref, il a été protégé par le gouvernement des États-Unis. Donc, mais en fait, c'est pas Mengele qui a commencé ça. Il a perfectionné un petit peu, il a modernisé ça. Mais ça existe depuis des millénaires, depuis des millénaires. Et j'ai étudié MK Ultra, beaucoup étudié MK Ultra. Moi, mon résumé, c'est très simple. C'est contrôle de l'esprit total Oui. par la création de chocs extrêmement violents qui fabriquent des murs amnésiques, qui font des dichotomies de personnalité, des multiples personnalités. Ce travail est aidé avec des grosses quantités de drogue, de l'hypnose suggestion et de la sorcellerie Oui. par des possessions démoniaques. Oui. Donc là encore une fois, vous y croyez pas, là je vous explique ce qui se passe. Là, on discute, ça mange pas de pain. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Ça existe aussi, on connaît ça dans l'industrie hollywoodienne. C'est le Manchurian Candidate, un film que vous devriez voir. C'est la fabrication ainsi du meurtrier, du soldat parfait, qui n'a absolument aucune limite et qui obéit aux ordres, quels qu'ils soient. Ça, c'est vraiment le soldat. C'est Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que tu parles du soldat parfait, mais il semblerait que ce soit le procédé surtout qui fabrique l'élite de demain au fur et à mesure. Complètement, C'est-à-dire que complètement. très probablement tous les dirigeants que nous voyons très propres sur eux, encravatés sur les plateaux de télé ou dans la manifestation, sont des Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui, à certains moments, des mots-clés ou des situations clés, laissent le costard-cravate au vestiaire et endossent la toge de mage de leur rituel de détraquer-menton pour faire toutes les abominations dont nous parlons et qui seraient des légendes urbaines encore pour certaines personnes. De toute façon, moi j'ai vu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de vidéos. C'est des gens qui ont fait des livres, qui ont créé des bouquins, qui ont fait des conférences sur tout le territoire américain. C'est fou ce que je raconte, hein. Donc, notamment des livres de Fritz Springmeier, les livres de. Les vidéos interviews de Cisco Wheeler, de comment elle s'appelle l'autre, la prostituée présidentielle de Reagan, Brice Taylor, je crois. Qui nous explique beaucoup de choses. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce système-là, je vais te donner une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est les films pornographiques. Je me suis toujours dit que comment peuvent-ils tourner, comment n'importe qui, hein, un garçon, une fille, peut tourner un film pornographique sachant que ses parents vont voir, ses frères et sœurs, ses amis, ses oncles, ses tantes. C'est impossible. C'est impossible. Puisque vous verrez n'importe quel, même un chat est pudique. Un enfant est pudique. Oui.
Un enfant, à partir de quelques années, il va se cacher le truc. Il va se cacher pour s'habiller, etc., parce qu'il est pudique. Donc, si, donc, de par sa nature, l'ordre des choses, l'ordre cosmique divin, il est pudique. Donc, s'il devient impudique, c'est qu'on l'a formé à le devenir. Absolument. Autrement, ce n'est pas possible. Oui. C'est impossible. Même avec une banalisation de la pornographie, oui. Même avec la banalisation d'aujourd'hui, il y en a qui veulent être stars de pornographie sans pour autant avoir subi le mind control. Oui. Mais c'est autre chose, c'est la dégénérescence. Mais même avec cette banalisation, 99% des filles ou des garçons n'iront jamais tourner. C'est inconcevable. Ça augmente peut-être un petit peu quand même, mais il faut revenir sur mind control parce que maintenant il y a la banalisation. Tout à fait. Il y a la rupture avec le noyau familial. Le noyau familial. Et puis, surtout, il n'a pas du fric, il n'a pas du gain. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi pour avoir beaucoup d'argent. Ce sont toujours des montagnes d'argent qui sont en jeu. Tout à fait. Donc, moi, je suis arrivé donc, sur ce projet MKUltra. Et là, j'ai compris que ce monde était fou. Tu vois, ce monde était fou. Que très peu de gens pouvaient croire à tout ça, qu'ils sont très, très bien installés dans leur certitude crasse. D'ailleurs, c'est rigolo, plus ils sont ignorants, plus ils gueulent, t'as remarqué ça? Oui. Plus ils savent rien, non, moi je, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils gueulent, ça fait du scandale, mais ils n'ont rien vu, rien lu, rien entendu, hein. Rien, absolument rien. L'ignorance la plus totale. Surtout rien vu. Non, déjà, je vous conseille, il ne faut pas parler avec ces gens-là, il faut les laisser crever dans leur. Dans leur solitude, dans leur bêtise, ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas parler de solitude, c'est ceux qui ont la majorité. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont majoritaires dans leur solitude. C'est nous qui sommes les solitaires. Ouais, exactement, c'est vrai, tout à fait. Donc voilà, donc, je voulais moi avoir tes explications, ton expérience sur MKUltra. Je n'ai pas d'expérience à proprement parler. Moi, j'ai étudié des dossiers de viol d'enfants, et plus récemment des témoignages d'enfants. Alors, accroche-toi, les témoignages sur lesquels je travaille à l'heure actuelle concernent des enfants très jeunes. Ça va de 4-5 ans jusqu'à, on va dire, une dizaine d'années, voire une douzaine d'années, mais ça commence à 4-5 ans, d'enfants qui racontent comment, non seulement, bien sûr, ils ont été amenés par leurs géniteurs à des soirées sataniques, rituelles, où ils sont violés collectivement, mais qui sont amenés, eux, à prendre un couteau et à égorger ou ouvrir le ventre d'un autre enfant pour ne pas, eux, subir ce sort-là. Et ces témoignages, un enfant ne peut pas inventer des choses pareilles. C'est impossible. Et d'ailleurs, sur les témoignages que j'ai, les vidéos que j'ai, on voit, je parle pour les vidéos françaises, parce que j'en ai dans d'autres pays aussi, on ressent un malaise avec un enfant qui témoigne déjà d'un dédoublement de la personnalité, qui est la finalité de ce projet MKUltra Control, c'est-à-dire le dédoublement de personnalité. Il a déjà une distance, une froideur quand il parle de ça, et c'est absolument affolant. Ils sont amenés, on parlait tout à l'heure de cannibalisme, ensuite, à l'occasion d'un grand barbecue fait après le dépeçage de l'enfant qui a été égorgé, ils sont invités, eux, à manger la cervelle, à manger des abats, c'est-à-dire foie, cœur, poumons, yeux, les yeux aussi des enfants, qu'ils ont tués. Ça, c'est l'horreur totale, c'est l'horreur absolue. J'ai recoupé ces témoignages avec des documents intéressants que j'avais pu récupérer lors de mes enquêtes aussi, sur l'affaire des deux. Une affaire qui a été étouffée comme toutes les grandes affaires, comme l'affaire Allègre, comme l'affaire des disparus de Lyon, etc. Où il y a toujours du réseau derrière et un bouc émissaire mis pour faire croire qu'il y a juste un prédateur isolé. Bref, il y a donc du fournisseur de chair fraîche et du réseau après qui consomme de la chair fraîche. J'espère que vous me suivez. Eh bien, dans ces affaires-là, et donc cette affaire que j'ai, qui est une affaire d'archives, que j'ai recoupé avec les témoignages beaucoup plus récents que j'ai, c'est l'affaire du trou. Les témoins X qui ont été scindés en deux. À ne pas confondre, je parle aux gens, avec Outreau, ça n'a rien à voir. Absolument. Du trou, c'est la Belgique. Voilà. Marc Dutroux. Marc Dutroux, qui était le prédateur isolé, entre guillemets, d'accord, qui faisait bouc émissaire pour protéger tout l'immense réseau belge qui implique en premier lieu
les deux rois belges qui se sont succédés, il faut le savoir. Exactement. Petite parenthèse, et la fondation Princesse de Croye, la Princesse de Croye, qui elle intervient dans le dispositif avec sa fondation pour protéger le roi belge de toute éclaboussure. Je ferme la parenthèse en termes d'imposture. L'affaire donc des témoins X, où j'ai moi les procès-verbaux des gendarmes Bill et Debates. Régine Alouf. Oui, Régine Alouf. Alors les procès-verbaux originaux de ces gendarmes sont absolument épouvantables. Je les ai mis en ligne. Ils décrivent comment, par exemple, une maman, une jeune fille qui avait été violée et subit une césarienne à la sauvage avec un couteau. On lui arrache le bébé des entrailles pour le jeter au chien. Et on finit par violer cette malheureuse, en même temps la démembrer. C'est l'horreur absolue qui est décrite avec le roi belge, c'était Baudouin, je crois, déjà à l'époque, comme spectateur guest star, hein, comme VIP présent. Et parmi ces horreurs que je vous décris là, donc, qui sembleraient être beaucoup plus formelles et répandues qu'on peut l'imaginer, pas seulement les nuits de pleine lune qui se passeraient dans des châteaux, dans des villas, mais je vous parle de la France, là, en France. Le fameux château Rothschild de Mentemort, je crois, dans lequel a été tourné Eyes Wide Shut de Kubrick. Il y en a partout. En France, en Belgique, mais moi pour le moment, j'enquête un peu sur ce qui se passe en France aussi, c'est très intéressant. Eh bien, il faut savoir, pour revenir sur le projet MK Ultra, que ce projet fabrique d'un côté l'élite de demain. Ça, on l'a bien compris. Pour ça, donc, les enfants sont amenés par les prédateurs dans ces soirées pour se faire malaxer le cerveau, avoir une double personnalité, participer aux horreurs, être totalement impliqué dès le plus jeune âge, se faire remettre le poignard du grand maître à l'âge de 5 ans. J'imagine ce que ça fera quand ils en auront une trentaine d'années. Eh bien, ça sous-entend que d'un autre côté, on va amener de la chair fraîche pour ces enfants-là. D'accord? Eh bien, cette chair fraîche, comme on retrouve dans l'affaire des témoignages de l'affaire du trou, des témoins X, vient de viols sous X, de malheureuses enfants qui ont donc été enfantés par le viol. On récupère les enfants, quand je dis on, ce sont les réseaux, protégés par l'imposture politico-judiciaire, notamment en France. Les réseaux récupèrent donc ces enfants, ces malheureux enfants, qui sont stockés dans des caves, dans des châteaux, dans des villas, en France. Et ces enfants, au besoin, quand c'est le solstice d'été ou le solstice d'hiver, ou la pleine lune ou la non-lune, ou bref, il y a quantité de dates aussi que nous allons mettre tout à fait en ligne, ces enfants sont... Ça existe depuis des millénaires. Absolument. Ces enfants donc servent de proie, sont là pour être violés collectivement et eux dépecés, égorgés par les réseaux, par les prédateurs et par les enfants qui doivent devenir l'élite de demain. C'est là-dessus dont je voulais parler, ces fameuses caves qui existent bien en France. Pour moi, c'était le summum de l'abomination de ce que j'ai découvert. Ben, dans l'affaire Allègre, au départ, parlait de ce genre de cave comme ça, où on torturait, oui. Etc. L'affaire Émile Louis, la cave de Dunant. Ça, je n'étais pas au courant. L'affaire Émile Louis, et ben derrière Émile Louis, qui était un fournisseur de chair fraîche, tu avais le fameux Dunant, Claude Dunant, qui aujourd'hui est libre, qui avait effectivement reconnu que sa cave servait avec sa compagne, et qui avait une trentaine de notables d'auxerre, dont des commandants de gendarmerie, des avocats, des juges, tout le gratin, qui défilaient avec cagoule pour torturer les victimes. Ouais. Ça, c'est l'affaire Émile Louis. Dutroux avait une cave, puisque c'était une fausse échelle. Le père de Vincent Tanière avait une cave. Tout à fait. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais il avait été prévenu, je crois, 3 mois avant qu'il y aurait une perquisition. Ils ont tous des caves, ces fournisseurs. C'est indispensable. D'ailleurs, la cave, c'est quelque chose de très symbolique. Ouais. C'est très symbolique, l'obscurité. Le documentaire les Charniers d'enfants d'Élise Lucet aussi parle de sombres trucs souterrains où ils passaient pour faire fabriquer le truc. Parce que le malin ne peut pas faire ça au grand jour. Voilà. C'est là où il faut que nous intervenions, c'est pour allumer les projecteurs sur ces horreurs. Exactement. Faire savoir qu'il ne s'agit pas des gens urbains, que ça existe bien. C'est une stratégie. Oh, oui, je t'en prie, vas-y. Pour finir là-dessus sur les légendes urbaines, tu remarqueras qu'on fait tout pour nous faire mélanger les faits et les théories.
Là, il faut être très, très vigilant. Moi, par exemple, je ne vais jamais parler de reptiliens ou de je sais quelle espèce soi-disant extraterrestre. J'en ai jamais vu. Par contre, je sais que le satanisme existe. Je ne sais pas, par contre, moi, si Satan existe ou non. Je sais qu'en tout cas, le satanisme existe, que la croyance, elle, est bel et bien alimentée et nourrie, et qu'il en découle des horreurs absolument épouvantables, et que c'est bien cette énergie-là de mal absolu qui contrôle le monde, qui est au sommet de la pyramide de notre imposture sociétale. Exactement, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Ne croyez pas en Satan, mais il y a des gens qui y croient. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une petite astuce de raisonnement. C'est que si ces gens fabriquent ça, c'est qu'obligatoirement Satan existe. Sinon, ils ne le feraient pas. Ça n'a aucun sens. Parce qu'à un moment donné, on ne prend pas autant de risques pour faire dans le vent, tu vois. Mais bon, c'est vraiment pas problématique. C'est même pas important. Moi, ce qui m'importe... Il faudrait arriver à mettre d'accord les croyants et les non-croyants. Voilà, voilà. Ce qui m'importe, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est comme l'affaire DSK. Est-ce qu'il a violé, oui ou non? On le saura jamais. Mais dites-moi si c'est oui ou si c'est non. Ne me parlez pas du casier judiciaire ou de je ne sais quoi. Est-ce qu'il a violé, oui ou non? C'est factuel. C'est factuel. On peut se mettre d'accord là-dessus, quand même. Oui. Tu es croyant. Oui. Je respecte infiniment, avant tout par ton courage. Moi, je suis non-croyant. Et pourtant, la preuve est là. Je suis très content. Je ne savais pas que tu n'étais pas croyant. Et je suis très content de cette situation-là. Ouais. Je suis très content de cette situation-là parce que ça, elle prouve que ça n'a rien à voir avec une quelconque spiritualité. Ce sont des faits vérifiables, reproductibles, malheureusement, reproduits malheureusement et reproductibles dans le futur. Ben, oui. Et on a des cas en quantité. Et ben, c'est ça qu'il faut parler de ça. Et après, c'est toujours la même chose. Tu sais, j'ai toujours eu ce problème depuis 5 ans. Je parle de trucs, on dit « Ouais, tu abuses, tu es parano, tu es pénible, tu te prends trop la tête. » 6 mois après, les médias en parlent. « Ah ben, t'avais raison. Oui. » Non, tu ne me crois pas, moi, ton pote, ton frère, qui te veut du bien, tu ne me crois pas. Et quand tocard de TF1 te le dit, tu le crois. Mais t'es con, quoi. C'est débile. Quand Thierry Messon nous explique qu'il y a eu des faux montages grossiers de la place verte en Libye, pour faire croire qu'une psyop gigantesque, une opération psychologique gigantesque, tout le monde le prend pour un fou. Et après, tiens, le patron du CNT, Réfugiés au Qatar, Mustapha Abdeljalil, qui le dit. Qui dit, donc, c'est une fausse place verte, studio, hollywoodien. C'est comme les films des cow-boys avec les façades, tu sais. C'est génial. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu, clairement. Il a dit que c'est une très belle affaire. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est mondial, c'est un bon décès, c'est historique. C'est historique, ouais, c'est extraordinaire. Bon. Donc, est-ce qu'il faut attendre? Voilà, je pose la question aux gens. On va se poser une question. On oublie tout ce qu'on a dit. On va revenir à zéro. Est-ce qu'il faut attendre que ces criminels avouent pour les croire? Je crois qu'il sera trop tard. Hein. C'est débile. C'est complètement débile. Si vous attrapez demain le type qui a assassiné votre enfant avec son sang, le couteau de l'arme du crime, le corps dans son jardin, etc. Le type, il n'avoue pas. Il ne veut pas avouer. On s'en fout. Mais il est coupable. Il faut qu'il aille en prison. Il faut qu'il soit condamné. C'est ça qui compte. Oui. C'est d'arrêter ce massacre. On s'en fout qu'il avoue. Du coup, là, on est entouré de gens bizarres qui attendent que la chose soit... qu'on en parle à TF1. Mais TF1, ils s'en foutent de vous. TF1, c'est les premiers dégénérés. Ce qui fait fonctionner l'industrie cinéma, média, c'est la cocaïne et la prostitution. Et la partout généralisée. C'est pas eux qui vont condamner ça leur plaît. Oui. Ça n'a aucun sens. Du système. Et après, comme je te disais tout à l'heure, avant, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens, ils laissent faire, ils s'en foutent, l'individualisme primaire, abject. Et quand ça leur arrive, parce qu'il y a quand même 1000 enfants qui disparaissent par an en France, 3 par jour. Au moins, pour ce qu'on sait. Pour ce qu'on sait. Sans parler de ceux qui sont enlevés dans les pays africains. Sans parler de ceux qui réapparaissent 3 jours. C'est des milliers. Qu'est-ce qui leur est arrivé pendant 3 jours? Va savoir. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le garde des Sceaux de l'époque, j'ai oublié son nom, qui l'a dit, à l'Assemblée. 1000 enfants. Je pense qu'il reste un terreau d'inquiétude et je pense que la société, en dépit de son focalisation sur les victimes, reste encore assez indifférente. Par exemple, je reviens sur les disparitions.
Vous savez que depuis très longtemps, il y avait quand même des gens qui disaient les disparitions, il faut prendre ça au sérieux, et qu'il a fallu attendre assez longtemps pour que la création d'un office qui s'appelle l'Office central d'information sur les disparitions permettent d'avoir des chiffres un peu plus crédibles. Moi, j'ai regardé pour mon livre les chiffres pour 2005 et 2006, et on a quand même, je ne parle que des mineurs, hein, ce qui est considéré comme fugue et ce qui est considéré comme disparition inquiétante. Je fais un chiffre sans doute partiel, d'ailleurs je n'ai que 2 ans, c'est pas beaucoup. 2005-2006, les gens qui ont disparu, classés disparition inquiétante non retrouvés, les classés fugues non retrouvés. Eh bien, on arrive quand même à 400 personnes dans un cas et 1000 dans l'autre. 400 personnes, les chiffres sont à quelques chiffres près, disons bon. Donc 400 fugues et disparitions non retrouvées en 2005 et 900 en 2006. Bon, c'est des débuts, c'est les premiers chiffres. Ils ne sont... Quel âge ? Des mois de 18. Moins 18. Oui, c'est ça. 17, peut-être 17. Peut-être 17. Mais ça fait pas mal. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Ils ont peut-être disparu volontairement. Mais peut-être. Oui, il y en a beaucoup qui sont des fugues. Ouais. Fugues non retrouvées, ça veut dire qu'on croit que c'est volontaire. Disparition inquiétante, ça veut dire, on croit qu'ils sont, que c'est pas volontaire, qu'il y a quelque chose. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ces chiffres, ils sont là et ils suscitent. Bon, il y a les groupes d'aide aux victimes ou d'associations de victimes. Vous trouvez qu'actuellement la société n'est pas assez inquiète? Non, elle est trop inquiète d'une façon dramatique, sur des cas dramatiques, et ça c'est des petits cas, et là, il n'y a pas énormément. Non, je ne pense pas qu'il y ait énormément de moyens et de choses là-dessus. Voilà. Et quand, donc ils s'en foutent, les gens, ils s'en foutent complètement. J'ai même une copine qui a été kidnappée, qu'on a retrouvée pour la traite des blanches. 1000 enfants, donc, et après quand ils kidnappent leur enfant, ça pleurniche, et ça monte des associations, l'ange bleu, l'ange gris, l'ange marron, oui, il faut sauver les enfants, la pédophilie. Mais c'est complètement délirant, c'est-à-dire qu'ils attendent. Ça me rappelle une histoire populaire algéroise qui parle de... Tu sais, un personnage de sagesse qui s'appelle Jeha. Et à qui on dit, mais c'est certainement une sagesse qui est partagée par tous les peuples, par toutes les civilisations. Jeha, il y a l'incendie dans ton quartier, en ville. Jeha s'en fout complètement. Dans ton quartier, il s'en fout complètement. Dans ta rue, il s'en fout complètement. Chez ton voisin, il commence à courir, à ramener le seau d'eau. Il se dit, si j'ai le truc, je suis en gros, le feu, il va me brûler ma maison. C'est-à-dire qu'il a attendu cet abruti que le feu lui brûle les fesses pour réagir, oui. Et qu'il n'a eu aucun sentiment de fraternité avec les autres pour aller les aider. Donc, et c'est exactement ça la problématique, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'individualisme et de bêtise criminelle. On y est arrivé par accident, hein. C'est le plan formel de ceux qui dominent l'humanité depuis la nuit des temps. On est dominé par les énergies de lâcheté, d'égoïsme. Qu'est-ce que tu vas attendre d'une espèce comme celle d'argent? Rien, absolument rien. Et comme tu dis, aujourd'hui, les parents qui s'aperçoivent que leurs enfants sont victimes, sont violés, pour la plupart, et ben, ils pleurent beaucoup, et ils vont aller dans des associations qui sont des associations paratonnerres, ce que j'appelle, qui sont mises en place pour faire étouffer les affaires, et ils dépensent encore des fortunes avec des avocats, avec des vendus d'auxiliaires de justice, qui les fait tourner en rond sur l'échiquier truqué, comme l'appelait le fils Roche, de l'imposture judiciaire, politico-judiciaire. Et c'est-à-dire que même quand au dernier moment ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de grave, mais ils n'ont pas la réaction qu'il convient d'avoir. Ils ont une réaction qui est bien en deçà de celle qu'il faut avoir si on mettait sur une échelle de gravité ceux qui les concernent. On parle quand même par exemple de viol, de sacrifices rituels d'enfants qui sont découpés en petits morceaux, j'aimerais bien qu'on me mette quelle devrait être notre réaction et la contre-mesure de cela sur la même échelle de gravité. Je crois qu'il est extrêmement important et crucial de parler du système judiciaire laxiste qui relâche des fous furieux de nature comme Jacques Duguay,
qui s'est fait attraper je ne sais combien de fois, qui a été protégé par l'appareil communiste, comme le dit très bien Serge de Bekech, il y a plein d'instituteurs, on parle toujours, on essaie de salir l'Église catholique, en fait, elle a été infiltrée pour la discréditer, et on a exactement les mêmes dégénérés, par exemple, dans la fonction publique, enfin, les institutions... L'enseignement public, les instituteurs, qui se sont fait attraper la main dans le sac, qui n'ont jamais eu aucune sanction, c'est quand même hallucinant, gravissime. Et donc Jacques Duguay, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il reviole, il rentre, il sort, il rentre, il reviole, il vend ses cassettes, il rentre, il sort. Enfin, c'est complètement délirant. À partir du moment où ces crimes ne sont pas jugés à leur juste mesure et valeur, et moi, personnellement, je suis pour le rétablissement de la peine de mort, clairement, puisque en tant que religieux spirituel, pour moi, la mort n'existe pas. C'est un passage physique, c'est un passage plutôt spirituel, avec un abandon du corps physique. Donc, pour moi, la mort, ça n'existe pas. Hein. C'est un état autre. Bref, dans tous les cas, et je suis sûr que si on faisait demain un référendum populaire, on gagnera. 98% peut-être 90% du peuple votera oui. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, on relâche dans la nature, on n'arrive pas à s'en débarrasser des fous furieux. Alors certains me diront, ouais, ne fais pas ça. Je vous rappelle que la peine de mort, elle a été enlevée contre l'avis du peuple, contre l'avis du peuple, et que les gouvernants, pour créer plus de désordre, rendent la justice plus laxiste, notamment, par exemple, Sarkozy dernièrement, en décriminalisant les affaires financières, par exemple. Du coup, par exemple, en rendant la période de, comment on appelle ça, tu sais, au bout de 10 ans, la période de prescription plus courte. Oui, oui. Tu vois, il y a plein de techniques, mais ça, les gens ne savent pas tout ça. C'est des abrutis finis. Ils ont le vocabulaire d'un dauphin. Tu vois, je crois que les dauphins ont beaucoup plus de vocabulaire. Plus d'intelligence, plus d'intelligence, plus de les gens ne comprennent pas que les lois importantes, d'ailleurs ils ne les connaissent même plus, sont votées la plupart du temps dans leur dos. Par exemple, en été, il y a des lois importantes qui ont été votées. Mois d'août, c'est vrai. Qui sont passées totalement à la trappe pour le grand public. Tout à fait. Elles sont très importantes parce qu'il y en a une qui concerne les forces publiques qui maintenant peuvent ouvrir le feu à balles réelles sur le peuple lors de manifestations. Tout à fait. Tu as un document qui le recoupe, d'ailleurs c'est intéressant. Tout à fait. Et Convention, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européennes, article 2, droit à la vie, la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. Deux points, pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, pourquoi pas, mais pas obligé de le tuer. B, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. C, écoutez bien ce qu'on reproche à Kadhafi ou à Bachar el-Assad, pour réprimer conformément à la loi une émeute ou une insurrection. Vous tuer n'est pas vous tuer si c'est vous tuer pendant une émeute. Voilà. Et ça, c'est exactement ça, c'est écrit. Hein. Et là, maintenant, donc, ils ont officialisé le fait qu'on peut utiliser les munitions 7-62 qu'on utilise dans les fusils FRF2 en gendarmerie. Je ne sais pas si les CRS sont mêmes. Les fusils de précision. C'est exactement. Pour dessouder des leaders. La deuxième loi. Des snipers. Oui, tout à fait. La deuxième loi qui, moi, m'inquiète énormément, concerne l'internement. C'est-à-dire que maintenant, sur un claquement de doigts, vous pouvez être interné. Le préfet peut vous interner. Voilà, il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a plus besoin de jugement. Donc, moi, je vois en premier lieu des gens comme toi, comme nous, enfin, peu importe. Surtout des mamans qui essaient de protéger leurs enfants, tous les opposants. Non, mais ils vont interner, moi je sais comment ça fonctionne, ils vont interner les gens qui n'ont pas de soutien. Oui, voilà. Les gens seuls. Oui. Tu l'as dit, ils ont détruit le noyau familial, il n'y a plus personne. Oui. Moi je suis épaté, j'ai vu des gens qui ne reçoivent jamais, des voisins qui ne reçoivent jamais personne. C'est impressionnant, je ne sais plus où est la famille. Oui. Où sont leurs frères et sœurs, c'est délirant. En Afrique, c'est pas comme ça. Non. En Afrique, il y a 40 000 personnes à la maison. Oui. On ne peut pas t'interner, il y a une émeute. Ouais. C'est très important, ça c'est vicieux. Hein. C'est pour ça qu'on a détruit l'Afrique, parce que l'Afrique, ce sont des gens qui sont très sains, qui sont... Exactement. Je vois les efforts qui sont faits pour les pervertir, pour les faire venir dans notre enfer à nous, sociétal, et leur faire perdre toutes leurs valeurs fondamentales. Exactement. Parce que leurs valeurs sont fortes dans ces pays-là. Exactement. Je voudrais te contredire.
Je veux t'attaquer sur un point. Je t'en prie. Tu me permets? Ah, bien sûr. La peine de mort, moi, je suis contre. Ah, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi je suis contre? Ouais. Non pas que moi, je n'ai pas envie de l'appliquer, mais je laisse mes envies de côté. C'est que ça se retournerait contre nous, mon ami. C'est nous qui serions guillotinés. Ah oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. C'est oui. Pas eux. Si oui. Les plus grands criminels sont dehors, ils sont aux commandes, ils tirent les ficelles. Oui, oui, la loi ne les concerne pas, tout est inversé. Donc forcément, si la peine de mort était rétablie dans nos pays, mais ça serait une catastrophe, parce qu'on ferait les pires manipulations, nous serions des terroristes, nous sommes peut-être à l'heure actuelle des terroristes en fonction de nos propos tout à et de fait. Nos actions. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Non, mais bon, moi, tu sais, la peine de mort, c'est un petit peu comme le royalisme, tu sais, quand tu es pour un roi et pas pour la démocratie. Tu sais, on te traite de fou, de débile, mais en fin de compte, la peine de mort, c'est ce qui fait fonctionner les États-Unis d'Amérique, et tout le monde est à genoux, bavant devant les États-Unis d'Amérique. Personne ne retrouve rien à dire là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les élites. Et personne n'ira faire de leçons à la Chine, hein, personne. Donc c'est à géométrie variable, et c'est comme le royalisme. On te dit, oui, le royaume, c'est débile, vous êtes fous, c'est ridicule, mais c'est ancien, c'est ridicule. Par contre, ils sont tous émerveillés. Il suffisait de voir le mariage de William et je ne sais plus quelle cruche, comme ils étaient émerveillés devant la puissance et le faste de la reine d'Angleterre. Et il n'y a pas qu'un seul royaume en Europe, il y en a une dizaine. Hein, les pays nordiques, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, il y a des rois partout, donc je ne vois pas qu'est-ce qui rendrait. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre quand on discute ces choses-là. C'est, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'est plus question de raison. Mm-hmm. Les gens donnent des avis, des sentiments débiles, sans argument, sans réflexion, sans approfondissement, ils te donnent des petits trucs comme ça. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas intéressant. Par contre, ton raisonnement, je le trouve extrêmement subtil, parce qu'effectivement, il pourrait... Mais bon, je pense qu'il ne se gênerait pas à nous assassiner ou à nous empoisonner, ou à nous... tu sais comment ça fonctionne. Ça commence par un harcèlement fiscal, URSSAF, bidule, tout ça. Après, ils peuvent carrément te mettre pour quelqu'un qui fume du shit, de lui mettre 500 grammes dans la voiture et de faire une perquisition. Enfin, c'est tellement simple ce qu'ils font, sauf qu'il faut qu'ils sachent que c'est à partir du moment où ils ne respecteront plus les règles, nous aussi on ne les respectera plus. Et qu'eux aussi, il serait temps, hein. Eux aussi sont fragiles face aux blessures et aux empoisonnements. C'est des êtres humains, donc il faudrait quand même qu'ils se rendent compte de ça aussi, parce que quel que soit leur nombre, etc., à un moment donné, ils rentrent chez eux. Tu vois, ils rentrent à la maison dormir avec sa fille, ses enfants, sa femme. Donc il est à un moment donné fragile. Tu vois, le préfet qui va signaler mon internement, je paye pas cher pour sa peau. Tu vois, c'est que ça soit clair. S'il croit qu'un préfet va m'interner parce que je parle comme je parle, qu'il va me gaver de substances chimiques, je ne respecterai plus aucune règle. Là, nous avons un problème, Samy. Ok. Moi non plus, j'aurais envie de respecter aucune règle. Mais je crois que c'est ce qu'attendent ceux qui contrôlent le monde et l'humanité. C'est justement que nous allions en guerre contre ceux qui tirent les ficelles à leur niveau de l'imposture politico-judiciaire. Et ça va amener les gens à descendre dans la rue pour s'en prendre à des préfets, pourquoi pas, à des maires, à des gendarmes, à des policiers, que sais-je. Ça va faire un grand chaos. Pas le chaos de ceux qui dirigent tout. Eux, ils seront à leur terrasse, en train de boire du champagne Rothschild, de contempler tout le spectacle. Tout à fait. Et nous allons nous entretuer. Nous allons tout nous entretuer d'accord. Entre musulmans et chrétiens, entre frères du peuple français d'origine immigrée et français d'origine de souche. D'accord. Tout à fait. Nous allons nous entretuer. Tout à fait. C'est ça qu'ils veulent. Ouais, là, je suis très très inquiet en ce moment d'ailleurs à ce sujet. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est monté de toutes pièces. Depuis maintenant longtemps, ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Oui. On a parqué les gens, on leur a monté la tête, ouais. On les a décérébrés, notamment avec le consumérisme le plus effréné. Oui. Du coup, leur seul souci, tu sais, quand tu dis musulman, enfin, il n'y a pas de musulman, il n'y a plus de chrétien, il n'y a plus de musulman. Je le dis, je le revendique, ça n'existe pas.
ils n'en ont que le nom, les origines l'habillement. Ou l'étiquette. Ou l'étiquette, voilà. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Mais c'est comme les chrétiens, c'est la même chose. C'est comme les chrétiens, exactement. Voilà, c'est des consommateurs, point final. Et en fait, ça a été monté de toutes pièces. Et moi, je crains énormément, vraiment, je crains énormément un faux attentat, oui, d'un faux barbu. Oui. Style Al-Qaïda, Acme, tu sais, marque déposée, là, oui. Manipulé ou carrément créé, inventé par eux, oui, avec une belle. Un beau carnage. Tu vois, 300, 400 morts. Bien sanglant, bien horrible. Bien horrible, un stade de foot. Trip, quoi. Tu sais, un stade de foot, une bombe dans le stade, voilà, où il y a beaucoup de monde. Ou vraiment un truc. Un truc pas beau. Qui fait monter l'émotionnel public. Qui va tout faire péter. Ouais. Ils ont préparé les gens au niveau des séries télé à la torture et aux exécutions sommaires. Ouais. Ça, tu le remarqueras, par exemple, 24 heures chrono, etc. Donc, pour la liberté, pour la démocratie, pour etc., tu as le droit d'exécuter sommairement un méchant. Ouais. Alors que c'est un truc à ne jamais faire. Mm-hmm. D'abord, c'est illégal, c'est inhumain et c'est stupide. C'est très stupide parce que. D'abord, un prisonnier, ça s'échange contre un autre, il y a des informations à en tirer, et d'abord, c'est pas civilisationnel, c'est comme ça. Non, mais il ne faut pas confondre avec la légitime défense. Quand il faut protéger son enfant et qu'il y a une solution, qu'il veut trancher, ouais. Eh bien oui. Non, bien sûr, on ne parle pas de ça. La vengeance n'est pas. On parle d'un type comme ça, attaché à genoux, exécution sommaire. Exécution comme ça, pour rien, enfin pour rien. Il a peut-être commis quelque chose, mais tu ne peux pas le tuer comme ça. Il faut d'abord le juger. Il faut le juger. Il faut écrire le jugement, il faut des traces, des archives. C'est comme ça qu'on est civilisé. Autrement, nous ne sommes plus civilisés. Et tu ne peux plus en vouloir aux barbares de te violenter. Tu es un barbare. Donc, du coup, c'est ce que tu dis. Donc, c'est vrai que là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qui va arriver, tout le monde le sait. Ça va être initié par la crise. Oui. L'homme, quand il a faim, il devient extrêmement perturbé. Et là, la crise, maintenant, elle arrive vraiment. Hein. La crise arrive. C'était juste un petit test qu'on a eu. Exactement. Septembre, octobre, certains nous disent qu'on ne passera pas octobre. Ouais. Y a actuellement un plan de rigueur, alors que la situation est déjà très grave, on nous parle encore de plan de rigueur. Par exemple, je vous donne un petit chiffre tout bête, hein, le sucre va augmenter en septembre de 40%. Alors que faut-il faire, Salim ? Ben, moi je pense que la première des choses à faire tout de suite, là maintenant, c'est de faire des stocks alimentaires. Oui. Comme ça, le jour où il y a des troubles importants, on ne bouge pas. Oui. Donc on ne participe pas au désordre. Oui. Secondo, s'unir, recréer des liens. Ça, c'est tu sais, c'est bizarre la vie, hein, le monde est bien fichu. C'est que bon, dans des situations de crise où il manque de l'argent, les gens vont se rapprocher. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, depuis que par exemple la location est très chère, les étudiants vivent en colocation pour partager les frais. Et espérant que les enfants resteront plus longtemps chez leurs parents, etc. etc. Par exemple, tu vois, par exemple là aujourd'hui, une femme qui a envie de divorcer parce que son mari ne l'emmène pas trop au restaurant, elle ne peut pas. Parce qu'elle ne s'en sortira jamais. Elle est obligée d'accepter. Oui. Et ça, pour moi, c'est bien. Parce que divorcer, parce que pour des raisons stupides qu'on lit dans Marie Claire ou qu'on regarde dans Gossip Girl, je trouve ça très inquiétant, tu vois. Du coup, voilà, cette misère va rassembler les gens. Et le premier salut viendra de l'union, du cercle familial et amical. Donc, il faut agir tout de suite, informer tout de suite, là, maintenant, immédiatement, informer ses proches. Oui. L'information, c'est notre plus grande arme. Éteignez votre télé, jetez votre télé, ne la donnez pas, ne la vendez pas, cassez-la, jetez-la, débarrassez-vous-en, c'est un poison. Lisez le livre de Michel Démurger. Lisez le livre de Michel Démurger sur la télévision. C'est une calamité, la télévision. C'est une arme de destruction massive. Arme de destruction. Et de désinformation. Absolument. Et d'abrutissement. Et lisez ce livre, je vais faire une vidéo sur ce livre, ça va être peut-être la vidéo du siècle. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. C'est hallucinant ce que fait la télé. D'abord, c'est de la programmation mentale, on en a déjà parlé. Sur un plan physiologique. Hein. Sur un plan physiologique. Ouais. Un abrutissement au niveau du langage, un abrutissement avec des chiffres et des statistiques. C'est un bouquin avec 1200 références scientifiques. Ouais. 1200, c'est délirant. Même une thèse de troisième cycle ne contient pas autant de références. Ce type était un génie et en plus,
Il est écrit d'une manière extrêmement bien, enfin c'est très bien écrit, extrêmement rigolo, etc. C'est un livre majeur. Jetez votre télé pour ne pas être influencé par la propagande de guerre qu'il y a en face. Mmh. Ils ont fait ça en Libye, ils vont nous le faire chez nous. Oui. Je ne vois pas ce qui va les déranger. Absolument. Et après, bon, après s'attendre au pire, se former et s'attendre au pire. Si je peux me permettre aussi, dans cet ordre d'idée, un autre conseil, faites attention à Internet. Parce qu'Internet, d'une part, nous nous échangeons entre nous des informations qui sont absolument abominables, qui font qu'en fin de compte, on a beaucoup de haine, d'énergie de haine, de rancœur, de peur qui se répandent. Ça n'est pas pour autant que nous descendons pour faire, dans la rue pour faire ce qu'il convient que nous fassions. Au contraire, plus ces informations sont abominables, plus on est à s'exciter derrière les écrans Internet et on n'ose pas en faire rien. Ouais. Attention à ça. Attention aussi dans le flot d'informations qui est déversé sur Internet. Il y a une intox majeure au milieu que personne ne connaît parce qu'on est toujours en tendance à mélanger factuel et théorie et surtout on ne vérifie pas les sources. Tout à fait. Comment savoir aujourd'hui ce qui se passe en Libye? Comment savoir ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique au niveau de la marée noire? Comment savoir ce qui physique, se passe avec les 3 réacteurs de Fukushima? Il paraît qu'en fin de compte il y en a 11. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Ah non, TF1, c'est pas... Internet, c'est pas la panacée. Hein. Et le pire, c'est qu'on n'est plus en réseau physique. Oui. On est en réseau virtuel. Tout à fait. Et le jour où eux, ils vont nous couper le son et l'image... Panique totale. Par exemple, parce qu'il y aurait, des éruptions solaires dont on ne peut pas vérifier la véracité. On va vous dire, électroniquement, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus Internet qui fonctionne, mais on va tous devenir fous. Complètement isolés. Et par contre, les réseaux physiques, eux, ils les ont. Je suis désolé de le dire pour mes collègues qui sont du mauvais côté, la gendarmerie. C'est le premier réseau physique formel qui va jusqu'au le trou du cul de la France, le petit village le plus perdu de la France, qui est parfaitement actif. Ouais. Ça, c'est une toile d'araignée fantastique. C'est du très beau travail. Seulement la gendarmerie, qui n'en a pas encore pris conscience, est en fin de compte le bras armé de la terreur et de l'imposture politico-judiciaire, de l'imposture sociale. Dont l'action sera facilitée par un sale attentat. Oui. Tu vois, un truc pourri, un truc abominable, qui va effacer toute conscience et toute résistance à l'horreur, à l'abject. Oui. Tu vois. Et ça, c'est capital, hein, c'est primordial. De toute façon, Internet, c'est pas compliqué. Pour moi, Internet, c'est un outil d'information. J'informe avec, surtout, sinon j'y serais pas. Je m'informe aussi, beaucoup. Mais très vite, après, je suis sur le terrain. Très vite. Hein. Très bien. Très très vite. Tractage, DVD, conférences, débats, enfin on organise plein de choses. J'en parle. Je suis content que tu sois toujours vivant d'ailleurs. Moi aussi. Moi aussi. C'est pas vivant, mais ça va pas trop m'inquiéter. Libre, voilà, exactement. Ben écoute, moi je crois beaucoup au très haut. Je pense que... Puis une petite protection comme ça. Petite protection quand même, on ne fait pas de mal, on essaie de faire du bien, donc... Tu as Allah de ton côté. Exactement. J'ai de mon côté les forces de l'univers. C'est peut-être la même chose. C'est exactement la même chose. Du moment qu'on se bat... C'est nous, on lui donne un nom, c'est tout. On met notre vie en jeu pour la vie, avec un grand V. Exactement. C'est fondamental, on a forcément de l'aide. Pour la beauté et la vérité. Ouais. Ce que j'essaie de faire, je voulais t'en parler un petit peu, je voulais passer cette petite information. J'essaie d'intervenir un peu sur Internet aussi, mais je ne suis pas très à droite de ce côté-là. En ce moment, j'essaie d'aider des mamans à fuir la France, carrément, à fuir le terrorisme d'État. Ce n'est pas très facile. J'ai pu déjà faire en sorte qu'il y en ait quelques-unes qui soient en sécurité dans quelques pays, pas toujours très à côté d'ici. J'ai un petit réseau, j'ai travaillé longtemps pour l'avoir, mais c'est toujours pareil, je manque de bonne volonté pour m'aider, je manque de fonds, alors j'en parle. Bien sûr. J'interviens aujourd'hui sur Internet, j'ai encore des opérations à faire pour la rentrée, quand j'aurai fini à partir de mi-septembre, qui sont dangereuses, toujours dans ce cadre-là, donc ce sera peut-être la dernière fois qu'on me verra sur le net, parce qu'à chaque fois que je vais chercher une famille comme ça pour aller les mettre à l'abri, je risque beaucoup. Et je voulais dire donc... Ce qui est fondamental pour moi, c'est agir, c'est l'action. C'est pas nécessairement d'aller trancher la tête d'un criminel pédophile reconnu. Non, c'est d'aider son prochain. C'est d'arrêter une situation de désordre et de toute façon, que ça soit clair, la loi est avec nous.
Puisque oui, merci de le dire. Et oui, laisser ces situations, c'est une assistance à personne en danger. Exactement. Bon. C'est juste un jeu d'illusion. C'est un jeu d'illusion. C'est une illusion, totalement. Vous savez, on va nous faire croire. Un jeu d'illusion. Moi, par exemple, quand je vais chercher un gosse et sa maman pour aller les mettre en protection, je suis obligé d'aller très loin pour les faire protéger. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de l'enlèvement ou de la soustraction mineure. Je soustrais des victimes avec, en premier lieu, un témoin mineur qui veut témoigner qu'il ne peut pas et qu'il y a le terrorisme et l'État qui lui tombe dessus. Qu'il faut protéger. Ce que la loi ne fait pas, ce que les gendarmes et les policiers ne font pas parce qu'ils sont manipulés, parce que leur intégrité, ils ont mis un mouchoir dessus, je suis désolé de vous le dire. Parce qu'ils ont des plans de carrière et qu'ils ont des crédits insurmontables sur 40 ans. Ils ont leur idéal qui est détourné, ils bafouent leur honneur, ils acceptent de voir bafouer leur honneur et leur intégrité, et au lieu de faire ce qu'ils ont à faire, eh bien, ils servent le terrorisme d'État. Et plus ils mettent le doigt dans cet engrenage, plus tout leur corps et leur âme y part. C'est comme ça. Et pour ces gens-là, d'ailleurs, pour mes frères gendarmes policiers, il n'y a qu'un seul mode d'action, c'est de prendre un petit peu de recul et de comprendre que de leur situation, eh bien, il faut risquer sa propre peau, et la carrière, j'en parle même pas, pour aider des gens du peuple. Ils ont tué des gendarmes. Oui, et bien, ça, c'est honorable de se faire tuer. Il vaut mieux se faire tuer. Ah ben c'est de très loin. De mon point de vue. Ah, de très loin. Moi la mort, j'y crois pas. Pour moi la mort n'existe pas. La mort c'est un changement d'état. Donc la mort, elle est la bienvenue. Welcome. Oui. Donc ils n'ont aucun moyen de pression. L'argent, c'est pas eux qui décident de l'argent où il va. C'est Dieu qui fournit à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin. Argent, pouvoir, enfants. Donc tout ceci n'a aucun intérêt. L'essentiel, je le dis et je le répète, c'est de vivre digne, debout, oui, au service de la beauté et de la vérité. Oui. C'est tout. Mais bon, tu fais quand même un peu peur à quelques-uns qui nous entendent et aux quelques gendarmes et policiers qui commencent à se gratter un peu la tête sur leur intégrité, sur le sens de l'honneur, sur le sens de la vie. On n'est pas obligé non plus de se faire tuer. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'organise intelligemment. On s'organise intelligemment contre le terrorisme d'État qu'on subit. Moi, pour moi, travailler en espion, en catimini, aussi, c'est quelque chose de très bien. Oui. Comme eux font, comme ces démons le font. Exactement. T'es pas obligé de crier sur les toits. Tu fais ton travail, des types qui font leur travail dans leur coin, qui te donnent ces informations, etc. Ils sont pas obligés de se découvrir. Absolument. C'est actuellement le grand marché public des poubelles à Marseille, avec les guérinis qui vont tomber. Il a démarré par quoi? Par une lettre anonyme. Une petite lettre anonyme qui expliquait ce qui se passait, ouais, avec des tournements d'argent public extrêmement graves. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Et chacun fait à son niveau, à ce qu'il peut. Celui qui peut prendre 10 kilos prend 10 kilos, celui qui peut prendre 100 kilos prendra 100 kilos. Et celui qui est d'accord pour mettre sa propre vie en jeu, il le fait. Parce que, à mon avis, c'est ça la petite part. Tu sais, tu connais cette fable de David qui fait sa petite part pour que les forces de l'univers fassent la grande part. Oui. Et qui va contre, oui, Goliath avec, oui, sa fronde. Oui. Et les spirituels New Age nous disent, oui, mais alors il faut faire sa petite part simplement pour que les forces de l'univers ou Dieu fassent sa grande part. Oui, mais attention, c'est quoi notre petite part? Notre petite part ramenée au divin que nous sommes, eh bien, c'est mettre en jeu notre vie. Et quand David, il est allé face à Goliath avec sa fronde, qu'est-ce qu'il a fait pour faire sa petite part? Et pour déclencher les forces de Dieu ou de l'univers, ou d'Allah? Eh bien, il a mis en jeu sa vie. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça la petite part qu'il faut mettre en jeu. Tout à fait. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore le courage de le faire, ma foi. C'est pas grave, mais qui nous crée pas de problème. Voilà. Qui nous crée pas de problème, moi je dis toujours, si tu n'es pas capable, reste dans ton coin, il n'y a pas de souci. Mais ne t'occupe pas de ce qui ne te concerne pas. Voilà, t'occupe pas de ce qui ne te concerne pas. Voilà. Salim. Vraiment très heureux de te rencontrer, vraiment, okay. Et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. On va travailler dans ce sens. Enfin.